Salut tout le monde, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager les vidéos de la séance du 27 juillet où on saute sans mort avec Oseille. Alors je tiens quand même à dire que nous n'avons pas fait ça à l'aveugle, c'est-à-dire que nous nous sommes préparés avant, nous avons fait des séances à pied comme montées pour voir au niveau des freins entre parenthèses si j'avais le contrôle, s'il m'écoutait bien à la voix et tout s'est bien passé. Alors nous avons décidé de sauter quelques petites barres. Vous ne verrez pas Manon dans cette vidéo puisque nous n'avons pas monté ensemble. Je devais venir plus tôt pour pouvoir partir après. Mais elle est partie en balade avec une amie, tandis qu'une autre me filmait et me mettait les barres. Nous avons eu quelques petits cafouillages, je sais pas si ça se dit, cafouillis, hein. Bon, bref, il y a eu quelques petits fails, mais comme vous pouvez le voir déjà sur ces premières images, Osei avait vraiment envie d'y aller au point de me faire une marge. Alors il faut savoir que je la laissais prendre sa foulée de galop et que je l'ai trouvée juste extra, mieux qu'avec mort, en tout cas dans la carrière, parce que j'ai beaucoup plus de freins. Elle était beaucoup plus calme, mais je la laissais prendre sa foulée de galop parce que c'est comme ça qu'elle se réglait sur les obstacles. Alors il y a quelques fois quand même où je décapsulais, hein, on le voit à la réception, parce que je ne pensais pas qu'elle allait me faire une aussi grosse marge. Je la laissais faire parce que je lui faisais confiance, mais à un moment donné, vous allez voir sur la vidéo que je ne suis pas du tout confiante et qu'il y a des moments où on ne se comprend pas vraiment. Comme ici. Voilà, je me suis agitée. D'ailleurs, mes jambes, je n'arrive pas à les fixer. C'est un de mes problèmes à régler parce qu'avant j'arrivais, maintenant je n'arrive plus. Voilà, autrement après, ça s'est très très bien passé. Il y a eu quelques petits cafouillis, hein, notamment là. Nous avons fait tomber une barre, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'était notre première séance et nous avons sauté, on va dire, notre record ensemble. Voilà, elle a dû sauter plus haut avec d'autres personnes, mais en tout cas, entre nous, c'est notre record et en plus, on s'en mord, donc je suis trop trop contente d'elle. Alors voilà, ici, voilà, je me suis agitée encore une fois, je ne savais pas si elle allait aller, elle n'avait pas pris sa foulée de galop. Donc voilà, ça fait que quelques mois, hein, ça fait 2 mois à peu près que je la monte, donc forcément, bah, il y a des fails comme celui-ci également aussi, parce que là, je n'étais pas du tout sereine, la hauteur m'a fait peur. Donc du coup, là, vous n'allez pas entendre, mais je lui ai fait comprendre à la voix et à la relâchement des rênes que si elle ne voulait pas aller, elle n'irait pas. Je ne voulais pas la brusquer, j'ai cru qu'elle s'arrêtait. Et ben non, je vous la mets au ralenti parce que franchement c'est trop drôle pour moi, elle s'arrêtait en fait, elle n'allait pas à sauter. J'allais baisser la barre juste, et ben en fait, elle me l'a sauté. Donc j'étais complètement décapsulée. Voilà, je suis retombée sur son encolure, gros fou rire. Voilà, je vous mets la photo quand même. Bon, c'est un gag quoi, mais... Vraiment, c'est l'éclate avec elle. Donc, on a recommencé encore une troisième fois, une dernière fois sur une hauteur comme ça, pour vraiment voir si elle avait envie. Puis oui, effectivement, elle avait envie. Donc, pas de problème. Elle me le saute parfaitement bien. Je suis très fière d'elle. Et on a fini sur 2 petits sauts, un renne longue et un sans les mains. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ou même suivre l'actualité en activant la petite cloche de la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, à la prochaine vidéo. Bye!